bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de qui l'a regardé la vidéo. Non, Pam, c'est Dor Saint-Ville Josmi, représentant Mosek Connaissance. Moi, content là avoir aujourd'hui pour nous capables de parler de sens social, d'histoire d'Haïti, de culture générale. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de l'occupation américaine. Nous avions vu les facteurs qui ont provoqué l'occupation américaine. Aujourd'hui, nous allons parler des piliers d'ancrage de l'occupation américaine en Haïti, les différentes périodes de l'occupation américaine, puis encore nous parlerons lutte population haïtienne contre l'occupation américaine. Avant de continuer, nous invitons à liker, à abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Donc, qu'on soit capable d'aider nous. Pas oublier, petite cloche en bas, puzzle. Pour capable connait qu'il est l'autre vidéo à sortir. Sans perdre du temps, on va rentrer dans le sujet nous qui c'est occupation américaine. Nous parlons grande période d'occupation américaine. Donc nous capable diviser et période d'occupation américaine en trois. Premièrement qui c'est mission Fuller qui c'est prélude à l'occupation américaine. Deuxièmement, nous parlons de la Convention haïtiano-américaine, qui est un instrument juridique qui légitime la mise sous tutelle d'Haïti aux Américains. Troisièmement, nous parlons de la Commission FOB. La Commission FOB, après tout dégât et lutte contre l'occupation américaine de la population haïtienne, qui a évalué les dégâts pour être capable de déguerpir les Américains au sous-sol en Haïti. Nous allons étudier ensemble les piliers d'ancrage de l'occupation américaine. Piliers d'ancrage de l'occupation américaine, nous allons citer ces deux conventions haïtiano-américaines. Après convention haïtiano-américaine, c'est constitution de 1918. Qui ça qui convention haïtiano-américaine? Donc nous allons voir ça ensemble avec Mosek Connaissance qui c'est source connaissance. Nous partons ensemble avec la Convention haïtiano-américaine. Nous connaissons que la Convention haïtiano-américaine, c'est un instrument juridique qui légitime et mise tutelle Haïti aux Américains. Qui prérogative la Convention haïtiano-américaine? Donc, la Convention haïtiano-américaine, les Américains ont le droit pour être capable de contrôler le système économique Haïti. Administration publique non? Et douane pays, finance pays, tapal sous contrôle États-Unis. Convention haïtiano-américaine n'a pas de venir dans le pays sans que le pas ratifié. Il était venu en septembre 1915 et il tapal ratifié dans la chambre député d'abord, après ça, vous l'a ratifié dans la chambre dans le Sénat. En octobre 1915, le processus n'a pas fini. Et en novembre, le Sénat américain va voter et ratifier pour capable rentrer en vigueur en Haïti. Donc nous souhaitons que la Convention haïtiano-américaine, qui a les Américains au droit sous territoire, là, droit sous économie pays. Donc, Américains ont le contrôle économie pays. Après ça, nous parlons Constitution de 1918. Qui est la Constitution de 1918? Constitution de 1918, qui sortit aux États-Unis, Maison Blanche, qui était rédigée par le président Delano Roosevelt, qui était bail américain droit sous politique pays, sous et comme sur le plan social d'un pays. Donc, les États-Unis ont gagné contrôle économique, qu'on a aussi gagné contrôle politique et contrôle social. En gros, trois bagages, ça a gagné contrôle économique, contrôle social et contrôle politique. Donc, on peut diriger un pays, on peut contrôler un pays, on peut occuper un pays. Pas oublier que occupation veut dire diriger, financer, prendre soin. Qu'on a là, ensemble avec convention haïtiano-américaine et Constitution de 1918, qui te voit le bail américain droit sous pays, sous administration. Et qui ta constitution de 1918 non qui t'a pas goumé ensemble avec constitution qui était là en vigueur en Haïti qui pas de bail blanc droit de propriété
en Haïti. Donc avec la constitution de 1918, les Américains ont pas le droit de propriété en Haïti. Donc nous avons possédé des Américains ont été capables de posséder Cajou. Nous capables de citer pilier de Cajou avec mon corps. Premièrement, c'est convention haïtiano-américaine. Deuxièmement, c'est constitution de 1918. Qu'est-ce qui était écrit constitution de 1918 là? Président américain Franklin Delano Roosevelt. Donc, ou même qui soif connaissance, nous sommes tout bon ça. Contre ça pour la vie. Et ou même qui prend un examen baccalauréat, ou même qui dans NS4, spécialement Timon SUSU, n'a boulé ça bien dans l'examen officiel là. On a nous parlé de lutte contre l'occupation américaine. Nous tous connaissons que Haïti c'est la première république noire dans le monde. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes maman liberté, nous aimons la liberté. Et nous sommes gardiens de souveraineté. Nous toujours aimons gommer pour souveraineté nous parce que nous sommes un peuple qui est fier avec Dessalines, Christophe et Henri Christophe, Pétion, Toussaint, tout groupe Nexao, de quitter un héritage pour nous et nous toujours prêts pour nous gommer pour nous. Donc nous parlons de lutte, nous sommes capables de diviser lutte en deux, qui c'est lutte intellectuelle et lutte armée. Donc j'en ouais dans lutte intellectuelle là nous mot qui retenir attention aussi intellectuel qui nous en dans intellectuel nous parle intellect intellect là nous qui fait référence à monde qui savait monde qui fait gros études dans coup Jean Sylvain Calbois tout gros auteur ça qui était écrit contre l'occupation américaine nous capable citer tout nèg politique et Raymond Kabesh qui c'était député Gonaïve qui pas de signer convention haïtiano-américaine parce que pour lui-même c'était une absurdité pour les États-Unis d'Amérique venir gain contrôle pays a. Donc nous capable dire ça son forme de lutte qu'on a nous parler lutte armée qui s'est faite ensemble avec paysans nous connaît que constitution de 1918 des bail blanc américain droit de propriété ça veut dire nous connaît que Haïti c'est un pays essentiellement agricole les blancs américains gagnent terre ils besoin monde qui pour travailler terre ça pour faire bon yam bon patate pour te ka bien manger parce que nous connaît que produit la caille c'est bon bagage c'est coupé droit c'est waouh et bien yo te besoin paysan qui pour travailler té ça yo pour té capable joindre manger pour yo manger et ben paysan ça yo cap travail et que té ça té là té supposé là pour yo yo t'a vivre libre qu'on y a vinn travail pour blanc américain alors que blanc américain a prend n'importe 80% dans denrée yo alors que blanc américain pas même travail té ça donc paysan ça t'a pas frustré montrer contre ça blanc américain t'a fait donc yo t'a organisé en forme de guérilla pour être capable lutter contre l'occupation américaine yo filer manchette yo rou yo tout ça les la nuit pour attaquer américain et nous parler tout avec le commencement l'occupation américaine t'es gagné un nèg un soldat qui était contre l'occupation américaine qui était mort depuis le premier jour qui c'est Pierre Sully. Après ça, quelques années plus tard, quelques mois nous capable dire, t'ai l'autre monde qui t'a pas gommé contre l'occupation américaine qui c'était Charles Maï Peyrade. Les et général américain t'ai débarqué dans ville Léogane que t'a dirigé. Mais il s'est pas voulu remettre général américain ville là. Donc t'ai dit plutôt le démissionner pour le tabac blanc américain vilain donc ça t'a pas le faire gros tollé ça t'a pas arrivé dans bouche président suc tactique nav qui t'a dirigé pays a qui t'a pas révoqué monsieur de poste malgré ça monsieur pas traité là monsieur était retourné dans pays dans ville dans zone côté il était prendre naissance nous capable dire ça et inch plateau central côté li t'a pas former groupe guerrier ensemble avec paysans qui frustrés qui
qui t'a pas gourmé contre l'occupation américaine. Donc, nous sommes lutte armée et lutte intellectuelle. Lutte armée et lutte intellectuelle, nous t'a pas porté fruit. Nous t'a pas causé américain un paquet de problèmes. Surtout lutte armée ensemble avec Neg Chalmay Peralio, paysan te formé guerrier. Donc, et américain yo t'a pas organisé pour être capable de tuer Chalmay Peralio ensemble avec un nèg qui est Jean-Baptiste Konzé. Et bien dans soirée 1er novembre 1919, Chalmay Peralio t'a pas trouvé la mort trahi par Jean-Baptiste Konzé. On a nous sautouer lutte qui divisé en deux qui c'est lutte armée et lutte intellectuelle. Lutte intellectuelle qui était faite ensemble avec un paquet de gros auteurs, tant que Joël Sylvain, Karl Bois, Jacques Roumain. Et nous sommes capables de prendre lutte intellectuelle, et pas seulement littéraire, mais aussi politique. Tout. Docteur Raymond Cabèche et Rosalvo Bobo, qui c'était un homme politique qui a lutté contre l'occupation américaine. Donc nous sommes contents d'avoir aujourd'hui. Hein. C'était Mosek Connaissance d'Orsène Jospin. Donc je dis à nous te pilier d'ancrage qui c'est deux, n'a fait un petit rappel avant d'aller, qui c'est deux, convention haïtiano-américaine, constitution de 1918. Nous rappelons que convention haïtiano-américaine c'était un instrument juridique qui te bail les Américains contrôle économique pays. Et constitution de 1918 rédigée par Franklin Delano Roosevelt, ça va le bail américain au contrôle politique et social pays. Après ça, nous avons le grande période. La grande période de côté sorti, c'est d'après l'historien Mac Duvivier qui divisait l'occupation américaine en trois périodes. Nous capables de citer qui c'est Mission Fuller, qui c'est prélude ou bien introduction à l'occupation américaine. Convention haïtiano-américaine qui ici. Instrument juridique, non, d'avoir le américain droit sous pays. Ya. Après ça, nous avons le commission FOB. Commission FOB, après tout dégât, lutte intellectuelle et lutte armée, spécialement d'avoir le fait dans le pays. Ya. Et bien, américains ont été voués une commission dirigée par M. FOB, qui était un américain pour être capable d'évaluer la situation pour être. Si on supposait quitter le pays. Après ça, nous avons parlé de lutte de la population haïtienne contre l'occupation américaine. Nous tous connaissons que Haïti, Haïtien, c'est un peuple qui est fier, qui parle de monde dirigé et nous aimons garder la souveraineté. Donc, nous sommes bien contents à vous. Nous invitons à abonner et liker la vidéo, à partager. C'est comme ça qu'on est capable d'aider nous et on peut quitter des commentaires pour nous tous, pour nous dire nous qui ça pour nous supposer améliorer, pour nous être capable de porter plus bonnes vidéos, plus bonnes bêtes, sur quel sujet ou t'as mis nous parler avant.